Et salut à tous, c'est Lego Speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une réaction qui n'était pas du tout prévue. Du coup c'est le tout premier teaser du coup de la partie 2 de Dragon Rising, donc le soulèvement des dragons, qui est disponible dès maintenant, donc dès aujourd'hui, donc le 30 août 2023. Donc je suis assez surpris que le teaser soit déjà disponible, mais bref, ne perdons pas plus de temps. Je vais réagir tout de suite au teaser et je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Donc c'est parti. Les dragons, Rin, nouveau personnage. Ok, il y a votre fight. Sora contre un, on dirait un fantôme. Oh, peut-être un Akan. C'est passé hyper vite, mais franchement, mais quand je dis hyper vite, c'est que c'est passé hyper vite, donc je vais le remettre pour le revoir une seconde fois, parce que c'est vraiment en 30, en vraiment en 20, même pas 20 secondes, parce qu'il dure 18 secondes, il dure 18 secondes, donc c'est assez surprenant, donc je vais le mettre en vitesse 0.5 pour que j'ai le temps de le voir un peu plus, parce que, alors du coup on a la vie de Ninjago, je vous fais en même temps une petite analyse du coup pour en profiter dans la vidéo. Du coup ensuite on voit différents dragons, donc on voit on verrait le dragon Ryu, mais on dirait qu'il a grandi sur l'image que je vous mets, entre guillemets, je vous mettrai des images durant la vidéo pour illustrer mes propos. Et du coup, on verrait, du coup, on aurait Lloyd, Arin, Nia, Zane, Kai, donc ceux pour l'instant qu'on a vu. Donc on aurait un espèce de temple, donc c'est le temple qu'on a en 7 avec les arbres. Je reconnais du coup le décor en fond parce que ça passe hyper vite, mais on voit plein de dragons se diriger vers le temple des noyaux. C'est peut-être ce qui va se passer dans l'épisode 11, on verra bien. Ensuite, on a une porte qui s'ouvre, alors du coup, on a Sora, on a Arin, on a Whatfried. Désolé si j'écorche le nom du personnage, mais ok. La porte s'ouvre. Il se retourne vers quelqu'un, mais on sait pas ce que c'est. Ensuite, on a, on dirait un merlopien qui se jette dans le vide sur une corde avec une épée. Alors, où est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Ensuite, on a Kai qui aide Whatfried à éviter des pics, parce que c'est du tout. Ensuite, on a l'armure du coup de Cole. Donc, l'image qu'on avait eue en début juillet. Ok, l'armure s'active. Ensuite, on a encore Kai et Whatfried qui tombent dans un espèce de trou avec des picots autour. C'est assez étrange. Je pense qu'ils sont dans le temple des noyaux. Et là, on a une espèce de boule d'énergie sur l'image à 8 secondes du teaser, ce qui est assez intéressant. Ensuite, on a Sora qui se bat avec on dirait un fantôme. C'est assez étrange parce qu'il est bleu et en même temps, au niveau du corps, il est bleu avec une cape noire. On a Nia qui combat, ok, aussi. Alors là, on a un espèce de djinn. Je sais pas ce que c'est, mais c'est, on dirait peut-être Nadakan, je ne sais pas, avec les théories qu'on a fait depuis le début de la nouvelle saison. Ok, alors utilise un pouvoir qui est assez mystérieux. Alors on revoit le dragon source, ok, cracher du feu, ok. Et le teaser se finit là-dessus, ok. Donc, alors, pour donner mon impression, le teaser est vraiment très court. Ça parle même pas, il y a juste la musique d'ambiance, c'est assez simple. Alors si je devais donner, si j'étais hypé pour cette partie 2, déjà je suis hypé pour voir ce qui va se passer. Là ce teaser me donne envie de voir ce qui va se passer, parce que le teaser est plus concentré sur ce qui va se passer, je pense, dans l'épisode 11, sans nous en dévoiler trop. Évidemment il y aura certains passages où il y aura un fantôme qui va se battre, où il y a un djinn aussi. C'est assez étrange, je pense que ce sera les épisodes 11, 12, 13, mais bref. Non, franchement je suis assez convaincu par ce petit teaser, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous avez pensé de ce teaser. Évidemment, du coup, l'analyse est dans la réaction, donc ça sera une vidéo réaction et analyse. Donc voilà, je ferai pas de vidéo analyse à proprement parler vu que je viens de la faire. Mais du coup, franchement, c'était un bon teaser, donc franchement, agréablement surpris. Surpris aussi de ce mercredi 30 août qui nous diffuse ce teaser aujourd'hui. C'est vraiment surprenant, mais bref, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du teaser, n'hésitez pas finalement à liker la vidéo. Donc on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos, donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis, c'était Lego Speed. À la prochaine.